Allô, allô? Ouais, allô? Ouais. Ouais. Oh, le gros écho qu'il y a. Vous allez Allô? bien ou quoi? De quoi on fait saison multi à 8? Une saison multi un petit peu particulière avec des saveurs du bled. Donc voilà, donc vous avez compris, il y a le Napoli, il y a la Roma, l'Inter et moi à la Lazio. Effectivement, personne n'a pris l'Atalanta. Hein, ça aurait pu. Je sais pas si à un moment on trouve un cinquième peut-être qui pourrait prendre, tu vois, l'Atalanta, ça peut être cool. Correa, tu le veux? Ouais. Combien? Bah toi, dis-moi, tu réfléchis. C'est simple. Moi, tu viens avec une offre en bonne foi et on peut peut-être discuter. Bah l'offre en bonne foi, ça dépend des ventes, tu vois, parce que là, j'ai pas grand-chose, genre, Déjà, tu c'est... commences à parler chinois, ça me plaît pas. Vas-y, ça me va Pardon. pour commencer. Faut que je vois aussi pour vendre parce que gros, mais j'ai 1 million de joueurs. J'ai au moins 20 joueurs sur le banc. Ils vont tous vouloir jouer à un moment. Ils vont me casser les couilles. Message de Yannis Zim, le petit Coréen, part à combien? Bon allez, mon adjoint, je le vire. Hein. Merci à toi pour la préparation, frère, mais étant de casser sa mère de là. Putain, mais Qui frère, lui? t'as que des fils de p. Hein. Alors vraiment c'est mon plus grand hashtag analyse, mais t'as vraiment que des fils de p. Putain, mais sale fils de p, ta mère la chienne toi. Thiago Almada, je vais pour le choper 3 millions, il a 18 ans, l'offre est acceptée, il souhaite pas négocier un contrat, plus intéressé par le New York FC. Argentin 18 ans, il est plus intéressé par le New York FC, mais nique ta mère. Voilà Lucas Leiva, voilà c'est bon, il y en a qui se cassent, let's go. Match à guichet fermé contre l'OM, bah ouais, parce que l'OM ils Allez. remplissent aussi le stade à Rome. C'est que Salam des. lyonnaise. C'est que des Marseillais dans le stade à Rome. Donc ils vont partir avec la recette encore. Ça va, on rigole, on rigole. Ah, moi je l'aurais insulté. Hein. Toi, t'aurais rien fait, t'aurais baissé les yeux, t'es une merde. Eh oui. Oh, Yannis, ce bâtard du planète qui passe quand il fait des contrats. Pour exactement zéro départ. C'est vrai que depuis tout à l'heure, il est dans la rédaction intense de contrat pour absolument rien, Gros, fils il est sur Notaire de. Simulator lui. Il est sur Advocate Manager. Lawyer Manager, frère. Lui, il s'en Pendant fout du foot, hein, il est dans l'administratif là. que vous rigolez, je viens de boucler un truc là. Oh, un CDI? Le projet de modernisation des structures de données. Oh, Et ouais, mon gars. Oh, t'as Hamdoulé entendu alors, pas? tout va bien. Zach, franchement, je vois pas qui peut le stopper dans sa ruée vers le titre. Oui, il a vu qu'on peut le stopper, mais Et bon. toi, faut que t'arrêtes de sucer des bites, sans déconner. On va dire que si vous n'êtes pas content, c'est la même. Eh hey, les gars, Ok, là, donc sur le stream, mon équipe titulaire, mon 11 titulaire, il a de la gueule, non? Vignato, pas ouf. Mais frère, tout à l'heure, quand je demande des ailiers droits, il y a 70 000 fois le nom de Vignato qui sort, et quand je le recrute, d'un coup, il devient nul. première recrue pour Yanis. Oh! Alors? Paresse Balouli en prêt. Arrête. Ah, ça me fait rire. Attends, je mets pause à la musique. À 14 h, Attends. il apparaît Paris Balouli. Genre, ça lui a pris. Donc attends, donc attends, donc attends, donc attends. Ça fait 2 heures qu'on est en stream, qu'on est en train de préparer notre effectif pour la saison d'après. Et ton premier transfert, c'est Fares Balouli en prêt. En prêt, ça coûte rien. Tu vas Oh m'entendre. là là, c'est grave. Oh la honte! Vas-y, let's go valider les gars. Automatique, on Allez, c'est met. parti. Allez, let's go. Bonjour à tous. Bon match à Bonjour à tous tous, les mon frère gars, bonne Zach. chance. 30e minute, j'ai toujours pas vu un temps Mais fort. en 30e minute déjà? Bah ouais frère, moi aussi, là j'attends pas, mais je suis en moment clé. Les actions passent vite, Putain. alors elles passent même Oh d'ailleurs mon un peu gardien trop a déjà vite. pris une bastos. Let's go! Tiro immobilier, frère. Attends, on va le faire aller un tout petit peu moins vite, les gars. Ton match. Attends, Yanis, dis vas moi, ça veut dire pas que tu commençais le match là. Oh non, oh, je vais prendre une clim froide. Si je prends la clim, je pleure. Oh putain! Oh oui! Contre la Spal à domicile, sale merde. Faut me laisser tranquille, maman. Tu sais pas ce qui vient de Oh se passer. Tu sais ce mais qui je s'est suis passé, con. maman? C'est Match, pas possible. 32 tirs à 1, il m'égalise à la 91e! Ah, je suis content. Oh, y'a main là! Putain! Ce jeu ne veut que mon malheur! Monsieur Bucquet. Ce Putain, jeu veut l'immobilier. que mon malheur, gros!
Putain, mais frère, c'est pas possible! Non, mais sans déconner, la saison, elle a pas commencé, j'ai 2 titus blessés, et après, je fais 32 tirs à 0, il égalise sur un coup franc à la 92e, mais c'est... Fallait mettre gagner du temps, mais oui, fallait mettre gagner du temps! C'est gagner du temps qui aurait fait que je prends pas un coup franc à la 92e, arrêtez que vous... Fallait, vous savez mieux que tout le monde! Fallait mettre gagner du temps, c'est ça qui aurait fait que je prends pas un coup franc à la 92e, mais... Allez, vous faire enculer un peu, sérieux! J'ai déjà envie d'arrêter de jouer, gros, vraiment. Allez, on va jouer la sampa à l'extérieur. Comment ça me fume quand t'as les joueurs qui semblent motivés et prêts à faire des miracles, après ils vont en rien. Frère, je semble prêt à faire des miracles, un temps fort dans la mi-temps, gros. 7 tirs à 0, mais un temps fort dans la mi-temps. Là, qui va perdre la sampa. Ta gueule ça. Et voilà, je me mange un rouge. Vamos. Ça c'est bon pour moi ça. Allez, allez. Oui. Let's go. Let's go. Let's go. Et quoi? Moi j'ai pas entendu un casque se casser. Enfin, pourquoi il y a la police depuis tout à l'heure là en bas de chez moi, ouais. Oh putain. Bien contre un. Il est pas. Attends, mais j'ai remarqué, mais j'ai pas vu. Frère, j'ai raté. Non, pas un autre but, pas un autre but. Allez, un autre but, allez. Frère, j'ai même pas vu. Pourquoi tu étais parti? Allez, allez. Frapper son chat, là. Ah, j'ai remis un but. Let's go. Pas mérité. Le hold up. C'était honnête. T'es une merde. Oh. Y'a Yannis parle. Comment? Oh, la voix que tu travailles, c'est... Wow. Nique ta mère. Oh, le 4-2-3-1 avec Dani Olmo, Sensi Barella, attention. Putain, t'as une belle équipe, hein. Oh lolo, une signée. C'est quoi ce match? Attends, mais on est sur vraiment un match horrible. Attention. Oh, immobilier. Immobilier. Oh non ouais, donne ça. Aucun ça rien, frère. Allez. Oh, ton match. Oh, attention, ça joue bien, l'Inter, là. Oh, Sanchez. Pour relancer. Allez. Oh! Non mais les 1v1 ça passe jamais. Let's go! Let's go! Bon, Zach, viens gagner du temps, dis-moi quelle sauce tu veux donner. Faut qu'on assure là. Luis Alberto, Correa, Correa dans la surface, Correa pour Berardi! Le 2-0! Let's go! Let's go! Pourquoi j'ai parié ça? Let's go! Je m'avoue pas vaincu, t'es un malade toi. En vrai, Ismaili, gros, il a des vrais stats. Hein. Allez, siffle! Allez, cache ta mère maintenant. Let's go! Let's go! Victoire contre Yanis la racaille. T'inquiète, je vais couper le stream et tu vas recevoir une commande, un bon screen en bonne et due forme. Y'a pas de problème, frère. J'ai mené 3-0 au bout de 15 minutes. Je prends un rouge, penalty, 3-1. 2 minutes après, 3-2. Et après, vas-y, la Juve, dès qu'il tire, il marque. J'étais à 10, je pouvais plus rien faire. Mais premier quart d'heure, c'était une leçon de football, ouais. Et concrètement, ça a fini en combien? En 7-4. La Serie A, je suis 4ème, juste un point devant Yanis Zemmel, bien sûr, et on a 2 points derrière. Kenz a gagné ses 3 matchs avec le Napoli, et Yanis a vécu un match d'anthologie contre la Juve, parce qu'il gagnait 3-0 à 15 minutes, et il a perdu 7-4. Voilà, je peux te croire. Alors, tactiquement, on va faire tourner un peu. Allez, Berardi. Berardi pour Joaquin Correa. Correa, attention, il met un centre. Il met un centre dans la boîte, ça va pour personne. Thompson, attention, une récupération de Aknouri pour Cataldi, qui passe par Lazzari sur le côté, qui fait le centre. Attention, peut-être pour Correa.
Joaquin Correa. Ça, trop nul. Ça, tu vois, c'est un truc qui me saoule dans ces FM20, c'est que t'as l'impression que c'est que des profondeurs et un V1 raté, c'est... T'as ouais, je trouve que t'as moins de variété dans les buts qu'avant. Regarde, regarde, qu'est-ce que je viens de dire. Et là, le 1v1 est raté. T'as très peu de variété, même. Et on fait un petit, une petite demi ou alors une finale de Coupe de la Ligue contre Saint-Étienne là-bas. Let's go, Sergei Milinkovic Savic, la passe pour Francesco Acerbi. Acerbi. Bien joué, les gars. Bon, c'est une victoire du côté de Zach. C'est pas clair, wow, mon frère. Mais... 5-2-3 Al Prudente, frère. Mais vous avez joué contre qui aussi? Enfin, attends, sauf Zach. T'as joué contre qui, pardon, Ken? C'est pas facile pour Koulibaly, je vous l'avoue. Allez, Ait Nouri, Ait Nouri sur le côté, qui déborde, Ait Nouri, qui la passe à Joaquin Correa, Joaquin Correa, et ah mon dieu, il a failli marquer un but de ouf. La Samp, ils ont les bouffes, ils ont deux tirs. Oh putain. Ils sont pas affiliés à Naples en plus, la Samp. Let's go, let's go, Sergei. Oh là là, j'ai le Barça de Pep sous mes ordres là, c'est incroyable. Oh là là, je suis dans la merde, il va égaliser. Oh, oh Mertens. J'ai eu peur, frère. Oh, j'ai pas fait exprès. J'ai mis mon gardien en latéral et mon latéral en gardien. Oh, let's go. Attends. C'est pas une grosse bastos de loin, là. Attends. Ouf. Oh, frère, j'ai pas fait exprès. Et ben voilà, petite victoire 1-0 au Torino. Bien joué. Allez. C'est parti, Zach. Ouais, c'est parti. Bonne chance à toi. Après, franchement, elle tactique bien seule quand même. Allez, bismillah. Ouais, bah, attends, de moins en moins, je pense, mais après. Allez, c'est parti. Oh là là, ça pue le 1-0. Oh oh oh, ça m'a retenu par le maillot, mais bon, on va rien dire. Oh, Alan, agir, frère, je t'ai acheté 20 millions. Espèce de fils de merde. Ouf. Non. Ça va, Zach? Ça se passe là? Je suis en sueur. Oh merde. Hein. Oh merde. J'aurais pas dû. Agir, frère, c'est quoi son match de merde? 50 millions 50 millions Insigne! Je t'ai dit, Goulam, gros, il est incroyable, mon frère. Mais ils sont cheatés de Naples. Wesh, Goulam, il est cramé normalement. Wesh, mais tes mains! Ça fait des mouvements de. Oh bah. Oula. 4 occasions franches hein, de mon côté. Ouais, bah je me fais en. Je peux le dire. Oh, avec nous, allez, allez! Voilà. Mais putain! Mais arrêtez de rater des 1v1 comme ça, bande de big raveurs de merde! Péter un boulon! Oh non, frère. Pas juste avant la allez, mi-temps. Allez, Coréa, Coréa, avant la mi-temps! Bon bah super frère. En fait, oh non non non, pas avant la mi-temps, pas avant la. Non oh, mais. Oh oulala, oulala, ah mais putain, Varys bullshit sérieux. Ça, c'est rouge, je suis effondré. Ça. Ouf, oh, franc putain. Attends, ça va rien changer, tu vas le mettre. Hein. Close hein. Allez Koulibaly, ton gros crâne là. j'ai cru que le Koulibaly, ton gros crâne, ça allait fonctionner. Oh, je vais prendre un but là, ça sent le but, ça pue le but. Là je connais ses actions, ça pue Bernard le but. Ouf. Ah bah, allez, à la mi-temps, on rentre et on va discuter hein, dans le vestiaire. Oh, c'est un penalty ça, monsieur. Non, 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 c'est coup franc ça. Penalty, ça, on espère. Coup-franc. On espère penalty. Ça, c'est coup franc, monsieur. On espère penalty. Luca Peretto, on va te la mafia va te fumer ta mère. On espère penalty. Ouh. Oh putain. Allez. Sa famille vivra, écoute. Oh le Luis Alberto pour Tiro immobile. Le rouge. Non. Le rouge dans ta mère maintenant. Le rouge dans ta mère. Oui. Putain, je suis deg, frère. Tu mérites pas, sérieux. Ah, oh, quel match, Habib. Bon, tant pis. Je concède ma première défaite. Le retour du bâton, il va être phénoménal. On va voir. Eh, vas-y, je pronostique décembre, janvier. Ouais, frère, mais ils sont venus en sapin de Noël chez moi. Non, il est prêté à Leipzig. Et t'as Kalinic. Ah, t'as pas Kalinic? Si, j'ai Kalinic. Je le mets, il enchaîne tous les matchs, là, mais il marque. Let's go! Let's go! Milinkovic, frère! Magnifique but! Oh, penalty, let's go! Ah non, 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 les penalty, je les rate tout le temps! Les penalty, je les rate tout le temps! Immobile, il va le rater! Inch'Allah, il rate! Ouf! Allez! Il l'a mis? Ta gueule, toi, oui, il l'a mis! Mmh, ah ouais, bah ouais, mais dans ce cas-là, faut qu'il diversifie les actions de but, tu vois! Que ce soit pas toujours balle en profondeur et un ouais, VR, tu vois! Mais Zach, let's go! Eh, ça se voit que t'as jamais vu Ken. Ken, c'est un solide 2 sur 10. la moyenne de la game, c'est combien, vous pensez? Et franchement, je pense sincèrement qu'ici, il n'y a pas un seul gars qui est beau. Voilà, comme ça, c'est posé. Ah, ouais, bah, voilà, ça, c'est l'ambiance. Et bah, moi, je vais pas me contredire, mon ami. Je pense sincèrement. Je pense qu'on est tous moches, genre.
Mais je pense que je suis moi. Tu valides? Grave. Bon bah c'est sympa ça. Moi je pense vraiment que je ressemble à Boudère. Non, bien ouf. Boudère c'est un moins 2 sur 10. Allez arrête, c'est le gamin. Ouais. Putain, je suis en train de me faire fumer par Rennes, gros. C'est là-bas? Ouais. T'as fait tourner? Milinkovic, Savic, penalty, ça y est, je suis effondré, frère. T'as fait tourner? Oh, non. Faut faire tourner, hein. Moi, je fais tourner. Putain, je perds un 0, frère. Allez, les gars. J'ai mis un jeune du centre, milieu de terrain, en arrière-droit, en pensant que c'était Zappa Costa. Lazzari pour Immobilier, Immobilier. Putain, mais ils vont jamais les marquer, leur 1v1, ces sales enfants de... Allez, un petit 1-1 à l'extérieur, c'est pas mauvais. Vraiment, 1-1 à l'extérieur, avec Nouri, avec Nouri. Pour Berardi le centre, pour Luis Alberto, putain. C'est quoi ces joueurs? J'en ai marre de l'Inter, hein. Viens, on échange. Moi c'est défaite 1-0 à Rennes, hein. Voilà, comme ça c'est posé. Mais en dehors de ça, vraiment, je connais aucun de leurs joueurs, frère. On attend Zach ou quoi? Attendez-moi vite fait, je viens voir votre match. Vas-y, je fais mon match en 3ème vitesse, regardez-le sur mon stream et moi je viens... C'est pour le show, c'est pour le show. Ouais, bah j'ai cherché des préparateurs physiques à 20 de physique, je suis tombé sur lui. Sérieux? Non. Oh let's go, le but! On va commencer à gagner un peu de temps du côté de Zach parce que je sens venir la clim là. Il y a 16 tirs à 0, mais j'ai qu'un tir d'avance, ça pue. Enfin, qu'un but d'avance, ça pue. Il me faut le 2-0 là, j'ai trop peur. Immobilier! Mais qu'est-ce que tu fous, Immobilier? La ville, ma mère, tu sors, allez, c'est bon. Alors attends, on va aller voir l'Inter Napoli. C'est parti. Attends, j'arrive. Sifflet. Vu. C'est bon, je suis là. Ah, déjà une action. Bon, voilà, toi. Allez, Mertens. Sans crise, pour y signer. Oh mon dieu! Et lui, c'est un verre avec les mecs! C'est sérieux? Certes. Non, mais Goulam, c'est prêt, Marcel. Bernard Deschi. Pour Mertens. Oh! Non, t'as un cheat. Ouh, dégagez ce ballon là. C'est bon, ça va être dans la pile Mertens. Tu vas mettre le 1v1, on connaît. Ah bah tiens donc. Oh, c'est que s'il l'avait mis, gros, je pense que j'aurais pleuré de rire. Ça suffit là. Que des longs ballons dans le dos. Frérot, poulet curry s'il te plaît. Allez. Je vais pas prendre de crevettes. Oh! En un petit gars, et ça bien. Roulam, attention. Regarde Roulam le long ballon là. Oh, regarde le long ballon dans Mertens, le dos. Mertens. Oh putain, mais ça suffit, sérieux là. Putain, j'en ai marre. Mais attends, mais comment tu fais pour marquer tout tes 1v1 par contre, espèce d'arracheur de bon. C'est un cheater, c'est un cheater. Marquez. Oh lolo, Mertens. Oh putain, je te jure, s'il le mettait, je crois que je pleurais, gros. Là c'était deux Uber Eats là. Bravo le beau jeu hein, bravo. Bon moi je fais quoi? J'essaye de jouer, j'essaye de combiner. Ouais c'est bon, ta gueule le rage. Comment il rage, c'est grave. Tout frère, tu te fais casser le cul, c'est bon. Ferme ta gueule. Moi tout ce que je vois, moi la seule chose que je vois et que je peux rien faire. La seule chose que je vois et que je remarque, c'est qu'à chaque fois que t'as affronté un mec de cette conve là ici sur ce Discord, tu t'es fait rouler ta grand-mère dessus. Bon, écoutez les gars, je vais faire un peu le résumé du coup de cette session. Donc de mon côté, on a fait au total 1, 2, 3, 6 matchs. Voilà. Moi je suis sur 4 victoires de défaite, dont une en Europa League et une contre Kens. Voilà, 1-0, c'était serré, tu vois, normal. On va aller regarder du côté de Yanis Elbé. Yanis Elbé, mon frère, ça a donné quoi? Sur la session, là, particulier? Oui. Ça a donné... Alors, une victoire contre la Saint-Etienne 4-1, 2 nuls contre la Talenta et Parme, une victoire contre Lecce, une victoire contre Alkmaar et une défaite contre Udinese. Ça va, je m'attendais à pire, c'est juste que sur la Serie A, t'as fait 2 nuls et une défaite. C'est les nuls qui font mal et puis beaucoup de blessures, donc là ça... je pense que le podium il va être difficile, la Champions League ça va être difficile. Ok, on va regarder du côté de l'équipe interiste, hein. Alors qu'est-ce que ça donne? On est sur une défaite au Barça, une grosse défaite au Napoli et 4 victoires, dont 3 en Serie A, donc ça va, t'es pas si horrible. Napoli c'est pas drôle parce que t'as fait que gagner. Et on va regarder du coup le classement. 21 points pour le Napoli premier. Le deuxième, la Juve à égalité avec la Lazio. Quatrième, l'Atalanta. Cinquième, l'Inter. Bologne également qui est à côté. La Fio. Et la Roma qui est dixième. Et enfin en Europa League, Rennes qui est premier, moi qui est deuxième. Et voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Prochaine session, début de semaine prochaine, parce que ce week-end je vais à Cracovie. Et on vous dit à la prochaine sur le stream et à la prochaine les frères. Bonne soirée. Bonne soirée.